un dangereux terroriste à la solde des forces judéo-maçonniques. Défaite des forces judéo-maçonniques, comme dirait le patron. Je trouve ce milieu maçonnique pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, ben je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort. Plus rester grand chose des forces judéo-maçonniques, mon colonel.
prétend qu'ils sont allés là où personne n'était jamais allé. Pourtant, se sont-ils vraiment posés sur la Lune? Si la NASA s'est vraiment posée sur la Lune, alors des vestiges des 6 missions Apollo réussies sont restés sur place. Les structures porteuses des LEM, les patrouilleurs lunaires abandonnés, même les drapeaux américains doivent reposer sur chaque site d'alunissage.